Good morning à la Idée Nessus, aujourd'hui le Nishmat, Esther Bet Miriam, ainsi que leur fouat Olivier Israël, Shimon Bet Esther, Khamishet Mirabad Rosalina, et Bin Bin Ben Khbiba Petor Shachal Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sagunet Eternel, nous tenons un serre et au Gouvin, Perik Yud, Mishnah Bet. Rabbi Shimon Omer, not nan la chavero, ve chavero la chavero, ad shemagia le chatser achitsona. Vechen beno not non la chavero, ve chavero la chavero, afilum mea. Rabbi Yehuda Omer noten Adam Chavit la Chavero, ve Chavero la Chavero, afilu chutz la Tchum. Amroulo, l'otaler, zou, yoter, mirgle, bealia. Notre Mishnah, elle commence. En fait, il faut reprendre un petit peu la fin de la Mishnah précédente, parce que dans la Gemara, ça apparaît même pas comme deux Mishnayot, c'est tout dans un seul morceau, c'est très étonnant. C'était coupé en plein milieu. La Mishnah précédente me parlait de tfilin qu'on trouve jetés dans la rue, dans les champs, pendant Shabbat. Et la fameuse histoire. Je les mets, je les porte, soit un par un, soit paire par paire, soit deux par deux même, je pourrais même mettre deux paires de tefillin en même temps. Et je fais les allers-retours, sauf si toutefois on en trouvait beaucoup en même temps. Que de toute façon on a trop de travail, qu'il va falloir rester là maintenant jusqu'à la sortie de Shabbat, à faire les allers-retours. Donc puisque de toute façon, d'ici la sortie de Shabbat, tu n'auras toujours pas fini. Alors patiente, jusqu'à la sortie de Shabbat sur place, et attends. D'accord? Parce que de toute façon il y en a beaucoup trop. Sur ça maintenant, je reviens sur la phrase en arrière de la Mishnah, la dernière phrase de la Mishnah précédente, qui me disait « Ubesakana mechasan veolechlo ». Si toutefois on est dans une période où il y a un danger de rester sur place, soit, comme ça on avait expliqué, parce qu'il y a le roi, du gouverneur, qui interdit aux juifs de mettre les tefilines. Donc si on se fait attraper avec des tefilines, on se fait, ras de shalom, d'accord, on se fait attraper, c'est grave. Donc, de deux choses l'une. Si tu l'histoire, alors maintenant, le problème, il est de rester sur place, en train de rester à côté des tefilines. Du coup, la Mishnah me dit, tu sais quoi, c'est pas la peine de rester sur place. On parle, bon, sur le cas où il y en avait beaucoup. C'est pas la peine de rester sur place, la Mishnah elle me disait, puisqu'il y a un danger, juste couvre-les, comme ça ne les laisse pas jeter de manière tellement méprisante. Couvre-les et pars. Prends un vêtement, prends ta cravate, tu le poses dessus, peu importe. Que celui qui passe en danger qui ne voit pas des tefilines jetées comme ça. C'est pas cavode. Mais tu as plus besoin de rester à côté d'eux. Ça, c'était, si c'était la sakana. La Mishnah, maintenant, le Bartonori nous expliquait, en fait, quand je ne l'avais pas bien expliqué, j'avais moi-même pas assez accroché le truc. Mais maintenant, le Bartonori, il l'avait expliqué dans la Mishnah précédente, il nous avait dit, toutefois, ça c'est que c'est lorsqu'il y a un interdit de mettre des tefilines. Mais si le danger, c'est pas le problème de porter des tefilines, c'est juste que si tu restes sur place, il va y avoir des brigands qui vont venir, ils vont s'en prendre à toi, ils s'en moquent des tefilines, ils ne sont pas mes alzélim. Le problème, c'est toi, ils veulent tes biens, ils veulent ce que tu as sur toi. Donc du coup, maintenant, alors là, tu as une possibilité de les porter, mais tu n'auras pas le temps maintenant d'aller te mettre à aller faire les allers-retours trop longtemps, de toute façon, tu n'auras pas assez de temps. Alors sur ça, la Mishnah me manquait à me préciser en fait que tu ramasses tout le groupe des tefilines, et tu commences à marcher, moins de 4 amotes, et tu t'arrêtes. Tu fais 3 pas, et tu t'arrêtes, 3 pas, tu t'arrêtes, 2, 3 pas, moins de 4 amas, moins de 2 mètres, d'accord? Sur ça, débute maintenant notre Mishnah en me disant, Rabbi Shimon me dit non. En fait, Rabbi Shimon me dit, au lieu de porter toi en t'arrêtant, je veux que tu fasses autre chose. Tu prends plusieurs personnes, vous vous mettez en ligne, et notan el chavero, 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 chavero. Toi, tu les donnes à ton copain, et ton copain, il les donne à son copain, et puis toi, tu vas ensuite en bout de ligne, en bout de queue, et tu prends de nouveau, tu réceptionnes, et l'autre, il va en bout de queue. Et comme ça, vous faites. C'est-à-dire, au lieu en fait de porter et de m'arrêter, porter, m'arrêter, porter, m'arrêter, Rabbi Shimon te dit une autre solution. Tu ne fais pas ce système-là de porter, t'arrêter, parce que je crains que tu vas te mettre à porter trop d'un coup. Je veux que tu fasses autre chose. Vous mettez plusieurs personnes, à moins de 4 amotes d'écart chacun. Toi, tu lui tends, il récupère, il transmet. Il récupère, il transmet. Donc, il n'y a jamais personne qui porte. Parce qu'en fait, moi, quand je prends ma main d'ici et je le fais passer ici, j'ai toujours pas fait 4 mètres. D'accord? J'ai toujours pas fait 2 mètres. Et du coup, je préfère que tu fasses ce procédé, comme ça vous êtes nombreux, vous allez vous souvenir qu'il faut pas se mettre à porter machinalement. Et je préfère cette solution à la solution que toi, tu me proposais, qu'il fallait lire entre les lignes, que le bâton aura porté, plutôt que la solution de le porter moins de 4 amotes par moins de 4 amotes, en t'arrêtant. D'accord? Et tu pourras procéder ainsi, Hachemagal et Khatser Akhisona, jusqu'à que tu arrives à la cour externe de la voie, de la ville. Puisque on parle qu'il les a trouvés dans les champs. Ils étaient jetés dans les champs. Tu les ramasses, vous faites comme ça, vous passez. Jusqu'à que vous arrivez, vous pouvez les mettre en lieu sûr, vous les posez là-bas, et après vous partez, vaquer à vos occupations, jusqu'à la sortie de Shabbat, on touche plus aux tefilines. D'accord?
Ça, c'était l'avis de Rabbi Shimon. Vechen, encore une autre situation assez originale. Vechen Beno, de même si à son fils, qui ne sait pas marcher, qui se retrouve jeté en plein dans les champs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans les champs? Bonne question, on parle que sa mère l'a couché dans les champs. Comme ça, il rapporte le Barthénora. Beno, chez Yaldato Imo, Bissadé. La mère, elle était dans les champs. Elle a accouché là-bas, le petit bébé. Maintenant, bien évidemment, il ne sait pas marcher. Donc, il va falloir le faire entrer dans la ville. Et bien, la solution pour le porter, de nouveau, il y aura la même discussion en fait, sur Antana Kama, la mission précédente. Il faut le porter moins de 4 amotes, moins de 4 amotes. Et sur ça, viendra Rabbi Shimon et me dit, notre la chavero, tu le donnes à ton copain et ton copain, son copain. Vous allez chercher plusieurs personnes, vous vous mettez à la queue, et vous commencez à le faire passer d'un à l'autre. Après, toi, tu repars en tête de queue, et tu récupères, et tu vous faites comme ça, ainsi de suite, pour le faire porter, pour le porter jusqu'à le faire entrer dans la ville. D'accord? À Philouméa, même 100 personnes, vous pourrez le faire, il n'y a pas de problème. Une autre situation encore un petit peu semblable, après on expliquera un peu mieux parce qu'elle manque d'explication en fait. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il rapporte encore une troisième situation. Noten Adam Chavit El Chavero, El Chavero, El Chavero. Un homme peut donner un tonneau d'eau ou de vin, c'est pas précisé. Ah, on parle d'eau. Il faut nécessairement parler d'eau. On parle d'eau qu'il la donne à son copain, il donne le tonneau d'eau, et puis son copain à son copain, son copain à son copain, et ainsi de suite. La filochroute se la trouve même si on est à l'extérieur du troum, du domaine délimité du Shabbat. Sur ça, Ramim rétorque, Amroulo l'otéaler zoyoter miraglé, bah Léa, ce tonneau d'eau ne pourra pas partir plus loin que son propriétaire. Et on explique de quoi on parle. Il y a le Melechet Shlomo, il nous rapporte au nom du Rabbi Yonatan Melonil, un commentateur sur la Maseret Eruvin, avec sur le Rif, qui explique qu'on parle de nouveau qu'il y a une situation où il y a quelqu'un qui est à l'extérieur du Troum de Shabbat. Vous rappelez, le Troum de Shabbat, c'est les 2000 amas à l'extérieur de la ville, où chacun peut partir pour porter jusqu'aux 2000 amas de la ville, en dehors de la ville, et il y a quelqu'un qui est en dehors du Troum, donc il doit rester sur place. Le problème, c'est que lui, il a soif là-bas sur place, il n'a pas d'eau. Donc il faut lui faire passer de l'eau, il faut lui transporter de l'eau. Pour transporter de l'eau, on n'a plus le droit de transporter la tente du Shabbat. Il n'est pas encore en picor nefesh au point de s'évanouir et de mourir. Donc du coup, malgré tout, on va l'arranger un petit peu en trouvant une solution pour lui apporter de l'eau sans transgresser l'interdit de porter Shabbat. Et on va lui faire la même solution, à prendre un tonneau d'eau qu'on va faire passer d'un à l'autre. D'accord? Pour le moment. C'est assez clair, c'est le même principe qu'il y avait précédemment. C'est une très grande inconvenance de ne pas pouvoir boire, donc on va lui permettre de porter de la sorte, de lui apporter comme ça un tonneau de la sorte. Mais il y a un grand chidouche de la Mishnah qui me dit à Filuchos la Troum, même si le tonneau va sortir en dehors de son Troum, en fait. A savoir, et c'est sur ça précisément que l'autre avis va discuter et me dire non, l'otalerzo yoter mirgle bealia. Ce tonneau-là ne pourra pas partir en dehors des pieds de son propriétaire. Soit, en fait, on parle d'une solution comme ça. On parle d'une situation comme ça. Il y a une discussion. Vous vous rappelez que dans les Hérouvines, là-bas, dans les sortes d'Hérouvétromines, alors, chaque homme, il est délimité par un domaine dans lequel il a le droit de marcher pendant Shabbat. Il y avait une discussion là-bas, qui refait surface, lorsqu'il s'agit d'ustensiles qui sont hefker, qui n'ont pas de propriétaire, soit de l'eau d'une source, et de l'eau, on a le droit de boire pendant Shabbat de l'eau de la source. Est-ce que maintenant, cette eau-là, on a le droit de la prendre et l'amener plus loin que 2000 amas, en dehors de la ville, ou est-ce que non? Je veux dire que l'eau, elle a pris, puisqu'elle a jailli ici, elle est restée là, son lieu, c'est cette ville. Et l'eau n'a plus le droit de sortir en dehors des 2000 amas. C'est précisément la discussion qui se passe ici. Selon le premier avis, donc qui est encore Rabbi Yehuda, et qui est Rabbi Yehuda, alors la Mishnah me dit, bah, tu sais, les kelim, les ustensiles, les objets, ne sont pas konim de Jivita, ils n'ont pas de Jivita. Donc du coup, si l'autre l'a mis là, qui est en dehors du Troum, il est même plus loin que 2000 amas en dehors du Troum, en dehors de la ville. Mais il y a des gens qui peuvent quand même lui apporter de la sorte le tonneau. Eh bien, on commence à faire la queue, et on fait passer le tonneau d'un à l'autre, pour lui donner de l'eau en dehors même du Troum. Bien que le tonneau va finalement sortir en dehors du Troum de Shabbat. Mais c'est pas grave, parce que le tonneau, il n'était pas délimité, il n'avait pas d'interdit à sortir du Troum de Shabbat. Tel est l'avis de Chachamim. Tel est l'avis de Rabbi Yehuda. Et Chachamim vont dire, Amroulo, ceux qui ont rétorqué, qui est précisément même... Rabbi Hanan ben Nouri, c'était la marque de discussion qu'on avait plus haut, Rabbi Hanan ben Nouri rétorque et dit non, ça marche pas. L'eau, elle a, elle est Kona Shvita, elle a une place fixe,
c'est là où elle jaillit, on n'a pas le droit de la sortir en dehors de sa barrière, mais du coup, celle-ci ne pourra pas sortir plus loin que les pieds de son propriétaire. Soit, si elle a jailli dans la source de Réhouven, alors elle est délimitée par le droit de Réhouven à sortir jusqu'à où Réhouven pourra partir, alors la source d'eau sera aussi, l'eau qui vient de sa source, sera aussi délimitée par le même domaine de Réhouven, elle ne pourra pas partir plus loin. D'accord? La discussion donc, c'est de nouveau, est-ce que l'eau qui jaillit à cet endroit-là, ça s'appelle que cet endroit-là, c'est devenu sa place du Shabbat, ou bien non, l'eau qui jaillit, elle n'a pas du tout de place. Du coup, on aura le droit de la faire sortir même en dehors du trône du Shabbat. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.